Bienvenue à Azura. C'était quand la dernière fois que t'as dormi? Cette nuit, environ 8 ou 9 minutes, ouais. Des cauchemars? Ça passera. Tu finiras par t'y faire. Ok, voyons ce qu'on a. Allez, on se prépare pour le largage. Bon, qui saute en premier ? En tout cas, ce sera pas toi. Del, je vais bien, d'accord ? Ouais, c'est ça. Oh, merde. Merci, Del. Sam, on va descendre. Bien reçu. On vous attend ici. Allez, à toutes. Hey, Dave, tu t'amènes ? Ok, contrôle, on se déploie. Contrôle ? Sérieusement ? J'ai un nom. Contrôle. Les règles sont les règles, merde. Enfin, contrôle. Et on en enfreint suffisamment comme ça. Jill peut rien dire si elle n'est pas au courant. C'est à moi de décider, ok ? Et si ça plaît pas à la première ministre, elle peut me passer un savon. Ce qu'elle fera sûrement. Dis-nous juste où aller, contrôle. Je vais faire de mon mieux. Mais n'oubliez pas que personne n'a mis les pieds dans cette installation depuis 25 ans. Ouais, c'est... c'est plutôt évident. Vous n'êtes pas là pour vous promener. Vous devez lancer un vieux prototype de rayon de l'eau. Et d'après tes infos, un des silos est intact, c'est ça? Ouais, on dirait. Emmenez Dave dans une salle de contrôle opérationnelle. Il gérera la séquence de lancement. Dave, lumière. N'oubliez pas, il y a un immense cimetière locuste sur cette île. S'il est clos, on sera submergé par la verrue. Hé, hey, attention! Oh, merde! Oh, la vache! Comment on est censé explorer un endroit qui s'effondre? Et vite! Venez, on peut suivre cette corniche. Le plan de Baird de lancer un satellite d'ici me semble un peu mal foutu. Ouais, Baird est un spécialiste des plans foireux. Comment Baird a su qu'il y avait un satellite du rayon ici? C'est grâce à mon père. Avant de mourir, il a confié quelques-uns des secrets de la CGU à Baird. Et cette île, elle en est truffée. Rapporte. Je m'attendais pas à ce qu'il reste des corps ici. On est vraiment très peu à être vu d'Azura en vie. On passe à travers. Ah.
C'est bon, allons-y. Faites gaffe, il y a encore des éboulements. Surprise. Dave, envoie une impulsion pour qu'on sache à quoi on a affaire. Comment tu veux dire ? Ah, les voilà. Allez, on les défonce ! À couvert ! Baird, c'est confirmé. Le cimetière locuste d'Azura est actif. Merde. Ok, le Condor reste en l'air. Faites-moi signe si vous avez besoin de renfort. Les tirés d'affaires pour l'instant. Delta terminé. Allez, on doit trouver un de ces silos. En espérant que la vermine ne les ait pas tous détruits. Hé, hey, je crois qu'on peut descendre par là. Ok. Ça va, d'accord. On doit trouver le silo. Honnêtement, ça n'a pas l'air d'aller bien. Je vais suivre. Il y a trop de ruches actives. Partout où on va, c'est un nouveau cimetière. Raison de plus pour réactiver le rayon de l'ombre. Espérons que Jean soit du même avis. Un des silos, mais il est en ruine. Eh bien, il en reste encore deux, et l'un d'eux est opérationnel. J'espère que t'as raison. On a déjà mis fin à la guerre une fois sur cette île. Quand on aura déployé le satellite, on pourra recommencer. T'as tout compris, mon pote. Terminé.
Bon, impossible d'aller tout droit. Qu'est-ce qu'il reste de cette base au juste? On va le découvrir. Prenez à droite, nous, on va à gauche. On va trouver ces silos. Ça marche. Mais on reste en contact. T'es sûr de ton coup? Il y a deux silos, il y a deux chemins. T'as une meilleure idée? Belle, la trappe! Saute! Ça ressemble à un tunnel d'échappement. Mais est-ce qu'il sort de ça? Il n'y a qu'un moyen de le savoir. Des rejetons! Descendez! Ils sont passés où? Il y en a d'autres? Allez, on s'arrête pas! Ils sont dans l'eau! C'est bon, ils sont tous morts. Maintenant, trouvons un moyen de sortir d'ici. Bien, cette porte nous permettra de sortir. Dave, tu peux l'ouvrir? Hey, tu sais quoi? S'ils veulent transformer cet endroit en ruche, qu'ils le fassent. C'est une île isolée à des centaines de kilomètres de la côte. Faut juste s'assurer que ça arrive une fois qu'on sera parti. Tu vois, Dave? C'est parti! Tu parles d'un silo? Comment ça? Passe en dessous. Oh non, on a de la compagnie. Je vous vois. On pourra vous couvrir de là-haut si jamais ça se complique. Dis-nous juste où tirer. Utilisez ce drone. Cible en vue. Occupons-nous d'abord de ce drone. Ok, maintenant! Feu à volonté! Rapport! Belle, on a un nid! Balance une grenade pour le fermer! Ça va marcher. Avancez.
c'est occupé. Ok. J'en ai eu un. Bien reçu. Attention, vermine. Dave, impulsion. Contrôle, le transporteur est mort. Merci pour le coup de main. Deadbot, y en a un qui sécurise la zone et l'autre qui vient avec nous. Allez! Bien reçu. Non, c'est fermé. On va devoir trouver un moyen d'ouvrir. J'ai reçu un tas de données bizarres. Du genre top secret.
A priori, il est en train d'ouvrir une porte. Il fait bien plus que ça. Eh ben, en tout cas, la porte est ouverte. Merci, Dave. À propos des données que Dave a téléchargées, une partie des éléments les plus confidentiels a disparu. Ça a un rapport avec notre mission ? Non, mais je dois savoir où sont ces infos. J'imagine que ce qui manque a été retiré du réseau. Qui aurait le droit de faire ça ? En ce temps-là, uniquement le commandant de l'installation. Trouvez son bureau et jetez un œil. Ok. Affirmatif, lieutenant. Ça y est, c'est fini. Maintenant, trouvons ce bureau. C'est censé ressembler à quoi, le bureau d'un commandant ? J'en sais rien. J'imagine une grande porte avec une plaque et « commandant » écrit dessus. Ouais, bien sûr. J'aurais dû y penser. Dell, le bureau du commandant est par là. Mais la porte est fermée. Dave, entre dans ce conduit. Va voir où il mène. Bon, Baird veut les données manquantes, c'est ça ? C'est censé ressembler à quoi ? Bon, et ben si on les a extraites du réseau, elles doivent être sur une sorte de disque dur externe. Bien joué, Dave. On y est, le bureau du commandant. Faisons le tour. Un coffre. Bonne planque pour des données. Dave, ouvre ça. Et contrôle, bonne nouvelle, on a trouvé le disque dur. Bien joué, Delta. Hé, vous savez ce qui nous ferait plaisir ? Des renforts ! Quoi ? Vous êtes où ? Le silo ! On l'a trouvé ! Et on est encerclé ! Ah merde ! On arrive ! Dave, impulsion. On peut pas vous laisser seul 5 minutes! Ouais, je suis mort de rire! Aidez-nous à faire le ménage!
Attends. Neutralisé. T'es un fou, là ? Ça va marcher. Gare à l'explosion ! J'en ai plein d'autres en réserve. Super. Bloquez-vous. Avancez. Cible à terre. C'est bon. La salle de contrôle est dégagée. C'est sympa d'être venu nous voir. Oh, pas de problème. La fusée est intacte? Elle l'est, qu'on le croit ou non. Bien. Trouvez un port pour que Dave se connecte. Si ça fonctionne, il amorcera le lancement. Dave, impulsion. Marcus, toi qui connais bien Jean, à quel point tu crois qu'elle va être furieuse qu'on ait lancé ce truc ? Je sais pas. Je dirais qu'elle risque de faire un ulcère ou une crise cardiaque. Ça me va. Franchement, on a la chance que la vermine n'ait pas détruit tout ça. Rapporte.